Salut Lynn! Salut Vincent! Ça va bien? Très bien, toi! Super! Bon, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de la magnifique Mara X de Lilith qui vient d'arriver sur le territoire canadien. Enfin? Oui, tant attendu! Ouais, elle s'est fait attendre, c'est vrai, on a hâte de l'ouvrir! Hein. Tout à fait! Et aujourd'hui, on va prendre le temps de voir la machine, le fonctionnement, les points forts, pourquoi en fait on les attendait tant. Excellent! On y va? Alright! C'est parti! Le suspense est quand même grand. Donc déjà, on remarque la boîte et la couloir, c'est vraiment la même comme dans la Bianca. Ouais. Donc, on va regarder ça tout de suite après. On a encore des cartons pour protéger l'appareil. Super. Écoute, Lynn, je te propose qu'on enlève nos masques, on va garder notre petite distance de sécurité. La table nous le permet, on sera plus confortable. Tout à fait, merci. Déjà, je trouve qu'on remarque quelque chose par rapport au groupe qui a changé par rapport aux anciens modèles. Donc ça, c'est un groupe haut, ouais. Comme les modèles VIP de Lilith, qui va nous permettre tout à l'heure, quand on va faire un café, d'avoir plus de dégagement et pouvoir utiliser une tasse haute comme un mug. Donc, pour les différentes boissons, par exemple. Ok. Est-ce qu'on regarde les accessoires? La boîte qui nous attend. Je sors le câble, on va pouvoir démarrer la magie de Mara X. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir la démarrer. Tout à fait, donc je te laisse. Tu veux l'honneur de l'allumer? Voilà, ça c'est l'interrupteur on-off, pour éclairer. J'aime bien garder aussi les tuyaux comme ça. Ouais. Et puis maintenant, j'allais te demander si tu entendais qu'elles sont remplies. J'entends. Vraiment, c'est très doux. Ouais. La machine va pouvoir remplir la chaudière. Ça va prendre environ 4 minutes pour le remplissage du système hydraulique. On va faire remarquer la lumière ici qui nous indique qu'il y a de l'eau. Ouais. Au bout de 4 minutes, on va pouvoir lever le levier du groupe. Okay. Pendant une trentaine de secondes et l'arrêter afin de remplir aussi l'échangeur de chaîne. Parfait. Je pense qu'on est arrivé au bout des 4 minutes. Notre machine est remplie. On n'entend presque plus rien, même plus rien du tout. Plus rien du tout, en fait, la pompe est complètement arrêtée et l'indicateur de température clignote pour nous indiquer que le système hydraulique est complètement plein d'eau. Elle est en mode chauffe. Alors, tout de suite, il faut lever le levier café. Il laisse couler l'eau pendant une trentaine de secondes. D'accord. On va l'arrêter et on va sécuriser le porte-clés pour préchauffer le tout. Ok, c'est parti. Combien de temps à peu près elle va mettre pour chauffer complètement? Pour chauffer complètement, c'est environ 27 minutes la première fois. 27. Ça reste un échangeur de chaleur avec quand même une grande chaudière, beaucoup de métal. Donc l'écoulement d'eau indique que le système de l'échangeur est complètement plein d'eau. Donc on va l'arrêter. Ok. Sécuriser le porte-clés. Comme ça, notre premier café va être ici et on va lui donner le temps de le chauffer. L'indicateur ici, quand il va arrêter de clignoter, on va savoir que le tout est bien prêt à faire un café. Excellent, super. En attendant que la machine termine de chauffer, je te propose de nous réexpliquer un petit peu le filtre dont tu nous parlais tout à l'heure. J'ai vu que tu avais fait une petite manipulation entre temps. Alors, en attendant, j'ai simplement déballé le filtre et histoire d'hydrater la résine qu'elle puisse filtrer les premiers cafés. On l'a fait tremper dans de l'eau fraîche pendant 3 minutes ou plus. Okay. Et ça, en fait, c'est la fixation qu'il y a dans le réservoir d'eau que j'avais retiré. Et on va pouvoir fixer le filtre simplement sur le tuyau. Et dans le réservoir d'eau, on va pouvoir fixer le tout sur la valve d'eau qui alimente la machine. Okay. Donc notre filtre hydraté est mis en place vis-à-vis de la valve. Il suffit simplement, j'ai noté le premier remplissage. Ok. On le remplace. Tout à fait. On le remplace. Machine. Donc une solution rapide, efficace, une protection optimale et pour l'appareil et pour le bout du café. Donc c'est fantastique. Super. On va enfin pouvoir jeter un œil concrètement à tout ça. Est-ce que tu peux nous indiquer quelques informations sur les modes? Parce que je crois que c'est toute la spécificité de Mara X. Tout à fait. C'est qu'elle est multi-compétente.
C'est bien dit. Dans le fond, la mare à X, on peut l'utiliser comme un échangeur de chaleur, comme une mare normale, traditionnelle. D'accord. On peut l'optimiser selon ses préférences, selon les boissons, le café noir, les boissons lactées, qu'on fait le plus souvent. En fait, c'est très propre à l'utilisateur. Il va pouvoir un peu choisir selon son besoin. Et son besoin peut évoluer. En fait. Tout à fait. On peut re-switcher d'un mode à l'autre, d'une température à l'autre, sans problème. Super adaptable. Donc, je vais vous montrer en premier où sont cachés les interrupteurs. Vous retirez le bac d'écoulement. On a le premier interrupteur ici. C'est l'interrupteur des différentes températures. Okay. La mare à X, à l'intérieur, il y a quand même un PID, comme toutes les maras, pour vraiment une stabilité de température. Mais cet interrupteur va pouvoir nous permettre de changer la température cible pour l'infusion du café. D'accord. Donc sur la première position, il va être entre 91 à 93 degrés Celsius. Température café. Tout à fait. Sur la position du milieu, il va être un petit peu plus bas, c'est la température basse. Il va être entre 89 à 91 degrés. Ok. Et sur la troisième température ici, il va être plus chaud. C'est la température entre 93 jusqu'à 95 degrés Celsius. Okay. C'est vraiment pour optimiser les températures, dépendamment des grains de café, dépendamment des torréfactions et notre tolérance aussi pour les différents. Très clair. Je vais la remettre sur la température normale, c'est ma préférée. Je vois qu'on a un réhausseur de tasse qu'on connaît déjà sur d'autres modèles de l'élite. Sur les modèles VIP, sur la Bianca. Comme la Mara X, elle a une nouveauté aussi par rapport aux autres Maras, c'est le groupe O, ouais, pour pouvoir utiliser des mugs et des grandes tasses pour le latte macchiato par exemple. Okay. Et même le porte-filtre, la poignée, elle a également évolué. Tout à fait, donc ça, idem pour la ligne VIP et la Bianca, c'est le porte-filtre optimisé, incliné pour un tassage droit et muni de la Coffee Slide, alors très ergonomique et très jolie aussi, qui va acheminer le café dans la tasse espresso. Sur le côté de la machine, je vais la basculer juste un petit peu ici. On a le deuxième interrupteur qui lui va basculer entre le mode vapeur, donc le mode échangeur de chaleur traditionnel, ou le mode café qui va donner la priorité à la stabilité des températures. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on la met en mode vapeur, elle va donner la priorité à créer beaucoup de pression vapeur dans la chaudière. Et donc, pour le mode café, ça va toujours être un petit peu trop chaud. Pour certains cafés qui vont être très bruns, peu torréfiés, de très très haute altitude, qui sont très durs, ça va être optimal. Okay. Et quand vous allez utiliser une autre torréfaction un petit peu plus avancée, ou un très bon café, mais un tout petit peu moins dense, sans le savoir, des fois ça va goûter un peu moins bon. Ça va goûter un peu trop léger ou un peu âcre. Okay. Sur un échangeur de chaleur normal, on ne peut pas trop modifier sa température pour optimiser, alors que la Mara X sur le mode café va nous permettre justement de faire cela. À l'intérieur de l'appareil, il y a la nouveauté de l'élite. C'est les deux sondes qui vont vraiment travailler à toujours contrôler encore plus précisément la température dans l'échangeur de chaleur. Donc finalement, ça nous fait une machine très constante sur la température. Très constante et vraiment, disons, programmable vraiment à son goût. Ça lui procure une grande simplicité en fait d'utilisation sans être expert. Tu peux être à l'aise avec justement ces températures qui varient souvent dans les machines espresso manuelles. Donc vraiment la Mara X, elle est vraiment fabriquée dans l'idée de faciliter le plus possible l'utilisation de l'appareil et de garantir le plus souvent possible une meilleure tasse à café. Inz, je remarque que la finition est vraiment différente des autres modèles de Mara. Tout à fait. Alors en fait, ça met sur l'inox brossé afin de minimiser les traces de doigts, puis ça donne vraiment une allure super contemporaine. C'est vraiment super joli, c'est vrai. Quid de l'intérieur de la machine, les matériaux, la chaudière? Donc la chaudière de 1,8 litres est en acier inoxydable et c'est un nouvel alliage aussi, c'est une nouveauté d'enfant sur la Mara X. C'est de l'inox encore plus résistant au calcaire et avec une meilleure échange de chaleur. Yves, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le manomètre? Tout à fait, donc c'est un manomètre double qui va nous indiquer et la pression de vapeur. Et quand on va faire du café, il va nous indiquer la pression exercée sur le café, comme toujours pour pouvoir nous aider à trouver une meilleure mouture optimale pour le grain de café qu'on utilise. À regarder à chaque extraction. De préférence. Je pense que notre installation est prête. Tout à fait. On va pouvoir faire un bon café. On va commencer par un espresso.
Okay. Et on peut faire aussi après un cappuccino ou une boisson lactée. Excellent. Pour notre premier café, on va aussi en profiter pour vérifier et optimiser la mouture. Le manomètre du bas, c'est le manomètre du café. Donc il va lire la pression lors de l'extraction. Okay. Si la flèche reste bien en dessous de 9 bars, ça va nous indiquer qu'on va devoir mettre notre mouture un petit peu plus fine, ouais, pour avoir un peu plus d'extraction, un meilleur goût. Okay. Si la flèche dépasse bien au-delà du 9-10 bars, c'est une pression trop haute pour le café, ça va venir brûler, bouillir un peu le goût, donc okay, on va pouvoir mettre notre mouture un peu plus large. Ok. Et ça va dépendre du grain de café en fait qu'on utilise. Ok. Super, c'est parti. Et avec aussi la nouvelle poignée ergonomique, on va pouvoir laisser sur la table, elle est droite. On va venir en utiliser un petit peu. C'est super pratique. Oui. Là, à l'œil, tu pouvais voir que ta mouture était relativement bonne. Oui, en fait, avec l'expérience, avec les années, on vient un peu à pouvoir juger à très proche de l'optimal. Mais la magie, vraiment, le plus du manomètre, c'est que même si tu ne le sais pas, ouais, tu mets le café dans le moulin, tu doses presque correctement, et c'est lui qui va t'indiquer en fait s'il faut augmenter, grossir ou minimiser la mouture. Donc, on a avec la machine, en fait, là, tu as peut-être tous les éléments qui te permettent, même si tu n'es pas un expert, de réussir à doser et exactement, c'est vraiment l'idée de nous aider à optimiser facilement réussir les cafés. Ok. Donc on va commencer les tissus. Voilà, lors de l'écoulement, la pression est à 8 bars. Oui, à 9 bars. Et ce qu'on va pouvoir faire, si on goûte et qu'on juge qu'il goûte bon, mais pour avoir un peu plus de torque, un peu plus d'intensité, okay, on va pouvoir mettre la mouture un tout petit peu plus fin, okay, pour ralentir l'eau un petit peu plus longtemps dans le café. Et si tu me disais au contraire qu'il est un peu trop prononcé, on va pouvoir mettre la mouture un petit peu plus grand. Et si en même temps on ne voulait pas trop toucher à la mouture, peut-être la personne n'est pas trop habituée, peut-être que le moulin que vous avez à la maison n'est pas optimal, aussi on va pouvoir utiliser l'autre option sur la Mara X, qui est la température, les différents niveaux de température qui vont venir nous aider aussi. Là on a un café qui est plutôt clair, plutôt blond. Est-ce que tu vas jouer justement avec ces paramètres, ces réglages possibles en fonction de ton café, tout ta réflexion? Tout à fait. En fait, maintenant qu'on a optimisé, on a une bonne pression en 8 bars, ce qui est très bon. Et ça va vraiment dépendre du goût que tu as en bouche. Si tu le veux un peu plus prononcé, un peu plus complexe, et tu ne veux pas trop toucher à la mouture, peut-être ton moulin ne te le permet pas à la maison si tu n'as pas le bouillon par exemple de l'huile, tu vas pouvoir mettre la température un peu plus chaude. Ça va venir encourager l'extraction, ouvrir un peu, éclater plus les granules de café. Là, je trouve qu'il est déjà assez éclatant quand tu le bois. C'est assez chaud, donc je pense qu'il est plutôt bien réglé. Puis ces modes-là, c'est vraiment pour pouvoir nous aider si on n'a pas un très bon moulin, si ouais, on ne sait pas trop quoi faire. Alors c'est vraiment pour... Si tu sais, tu peux tout modifier quand même parce que tu as l'expérience. Tirer la meilleure partie de ton équipement, de ton savoir. Aussi, et puis on ne va pas se cacher, il y a des matinées où on est un peu plus pressé. Oh, ouais. Quasiment 100% succès garanti. On fait tout pour en tout cas. Ouais. Maintenant que ton espresso est réussi, on va se faire... Moi je le garde, il est bon, ça me va, je m'en contente. Ça va me rendre. Alors, on va pouvoir préparer un autre espresso pour la base de cappuccino et on va pouvoir mousser du lait. Ok, super. Donc un petit rappel, toutes les boissons, cappuccino, latte, café au lait, tout est à base d'espresso. Donc les étapes restent les mêmes que pour préparer un espresso. Ouais. Est-ce que tu vas en profiter pour enlever ton rehausseur de tasse ou ta tasse et... Tout à fait, donc si vous justement, avez... Ma tasse à cappuccino, elle est quand même assez basse. Et si vous avez une tasse plus grande ou un mug, alors vous enlevez. C'est vraiment pratique. Pour les petites tasses plus courtes, j'aime bien utiliser la rehausseur aussi pour permettre au café de tomber plus rapidement dans la tasse et pas trop le refroidir pour garder le goût. Exact. Là, la particularité des Coffee Slides, ça a été conçu comment? Est-ce qu'il y a... Ça a été construit, j'imagine, en particulier pour tomber parfaitement dans la tasse, peut-être prendre de l'air aussi comme il faut dès la sortie? Tout à fait, en fait, c'est pour optimiser l'écoulement de la crème, pour la protéger. Pouvoir utiliser une tasse plus mince, les écoulements des porte-filtres standards traditionnels sont très larges. Ouais. Donc, des fois, si tu as une petite tasse à espresso, c'est très difficile. Ouais, on l'a vu sur celui-ci, c'était juste... Exact. Et en plus, ça nous permet de protéger aussi
garder l'écoulement propre et le protéger, il y a une petite place, une pièce ici qui est protégée l'écoulement. Donc quand tu la mets sur la terre comme ça, l'écoulement là ne touche pas la terre. Vraiment bien pensé. Ça, okay. C'est le nouveau slogan, c'est bien pensé, c'est limite. Oh. On va réinventer. On garde le porte-filtre propre. Tu remarques que je vide le café tout de suite. Ouais. On va garder le café assez chaud sur le groupe qui est très chaud. Et on va pouvoir nous séduire. On va juste sortir un peu. Il est recommandé quand on veut mousser du lait pour prendre de l'eau chaude sur les bulles, toujours ouvrir un petit peu. Ça élimine un peu l'air qu'il y a dans les vases. Sur n'importe quel échangeur de chaleur. Je vois que la buse vapeur, tu l'as prise à la main sans problème. Oui, sur les Mara et le modèle Bianca de Lilith, et bientôt aussi d'autres nouveautés sur les autres modèles, les buses vapeur et les buses à eau sont ce qu'on appelle des noble, donc okay. C'est des doubles parois. Et on peut vraiment les manipuler, ça donne beaucoup d'aise quand on est en train d'utiliser la machine. Super pratique, parce que vu que les éléments sont quand même assez proches, ça permet d'être en toute sécurité. La seule pièce qui est très chaude et c'est écrit Caution Hot, pas touché, c'est vraiment le groupe lui-même. Parce que sa fonction c'est de garder la chaleur. Tu remets toujours le porte-filtre dessus. De préférence, parce que ce qui va arriver, c'est que tout à l'heure, si j'ai envie d'un autre café, si j'oublie le porte-filtre sur la table, il va refroidir. Et avant le premier café, je devrais penser à le remettre et à couler de l'eau chaude. D'accord. N'oublions pas que c'est du laitant. C'est fait pour rester stable à la température. Mais s'il est froid et tu fais l'erreur de faire ton premier café dans un porte-filtre non préchauffé, ton premier café il coulera trop vite. J'aime bien, il n'a pas beaucoup de goût et tout, c'est vraiment juste le métal qui vole la première. La constance de la température, c'est hyper important. On peut le laisser sur le groupe, mais assez douce, pas besoin d'écraser le joint du contenant. Très clair. Donc. On passe au lait. Donc la buse à lait, je vais toujours rappeler, on a besoin de mettre que la moitié de la buse dans le lait. Ouais. Si on monte le pot trop et on envoie du lait plus loin, ça va juste nous donner plus de nettoyage, ça sert à rien. D'accord. Alors on a purgé un petit peu de vapeur et on va mousser. Si on est à l'aise, on a de l'habitude sur les groupes, après quelques semaines d'utilisation, on peut laisser le café couler en même temps qu'on mousse. Ouais. Alors on n'est pas obligé de faire un après l'autre, mais c'est vraiment à reprise. Oui, là les deux peuvent fonctionner tout aussi bien, la chaleur reste constante. Tout à fait. C'est constant et tout est prêt en tout temps. Ça, c'est la beauté de l'échangeur de chaleur. Ouais. Si tout à l'heure tu me parlais d'expérience, si on a l'expérience, on a toujours aussi voulu sur des appareils très puissants, on développe aussi la capacité de reconnaître la température. Sinon, ouais. C'est vraiment le fun de s'aider avec un thermomètre au début. Le moment fatidique. C'est vraiment super crémeux, c'était très rapide, très facile. Un bon petit cappuccino, est-ce que tu veux y goûter? Bah, oui, évidemment. Pendant que je goûte, est-ce que tu aurais, je me posais la question tout à l'heure, si tu penses que ça répond à un besoin plus spécifique, à un type de personne plus spécifique qu'à un autre, vu qu'il y a plusieurs modèles Mara par exemple? En fait, elle va venir nous ouvrir plusieurs options. Si on l'utilise comme un échangeur de chaleur normal qu'on retrouve sur les Mara et d'autres modèles, il faut juste comprendre que l'intérieur de la machine optimise la pression de vapeur. Donc ça c'est fun, si on a beaucoup de boissons lactées à produire, si on a des grands lattés à faire, ça va aller venir mousser les plus rapidement. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Si à l'inverse tu préfères de l'espresso, tu veux optimiser plusieurs différentes mélanges à café, et à ce moment-là, tu peux avoir besoin de précision et de contrôle plus sur la température du café. Ce qu'un échangeur de chaleur n'est pas capable de faire d'habitude. Okay. Sur la Mara X, avec les interrupteurs qu'on a vus en bas, ouais. Si elle est sur le mode café, les doubles sondes vont travailler à optimiser, à garder la température que tu as choisie toujours optimale. Tu vas pouvoir choisir le mode vapeur pour les boissons lactées et la température très chaude. Et tu vas pouvoir choisir le mode café sur des températures plus basses si tu as envie. Ça va baisser un tout petit peu la pression de la vapeur, mais c'est pas grave si tu ne fais pas beaucoup de lait. Okay. Ça, par défaut, sur les échangeurs de chaleur sur les Mara, c'est toujours beaucoup beaucoup de vapeur et une température assez élevée pour le café, tu n'avais pas beaucoup de choix. Même la Mara T, qui a un PID,
elle contrôle plutôt la température dans la chaudière vapeur. Donc l'impact quand on modifie la température est très peu sur le groupe. On n'a pas énormément de contrôle comme on l'a sur la marée. Ouais, une forme de priorité, alors que c'est aussi plus versatile. Exact, on peut la mettre sur la priorité café ou sur la priorité vapeur. Je crois que c'est super clair. Et j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Oui. Peut-être que tu peux résumer les 3-4 grands points majeurs. Moi, ce que j'aime particulièrement sur la machine, c'est vraiment de donner la possibilité de choisir sa température, choisir le mode. Mm-hmm. Donc ça, je trouve que c'est vraiment facilitant pour les gens à la maison, c'est vraiment fun. J'aime beaucoup que tous les modèles, ça c'est une particularité, tous les modèles Lily, tout est fait en acier inoxydable, donc il n'y a aucune place où il pourrait y avoir de la rouille ou un changement de couleur, c'est vraiment cool. Et la tasse haute qui libère aussi les gens à la maison pour utiliser, faire des beaux pour la télé. Ouais, globalement, super, super belle, super esthétique. Et puis le son aussi. Le son côté silencieux, c'est vraiment appréciable. Et bah, écoute, merci beaucoup, Yin. C'était super intéressant. Ça fait beaucoup plaisir. On se retrouve très vite pour d'autres machines, je crois. D'accord. On va avoir de belles actualités. Salut. Salut.